Ouais, c'est là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. Putain. 1-4, pilote ennemi repéré. Il se dirige vers vous, confirmé. C'était limite, hein. Kilo 1-4, recevez. Kilo 1-4, à vous. À toutes les unités, Kilo 1-4 ne répond pas. Paré à engager l'ennemi à la balise 4. Reçu, en position au portique de la balise 4. Paré à intercepter. On n'avait pas vraiment besoin de ça. Oh la merde! Oh la vache, non, c'était con de faire ça. J'aurais dû balancer une tique à la place. Putain. J'avais pas assez de puissance d'arrêt en fait. Ouais, on est là. On est bien là. Oh. Yeah. Tic tic tic. Boum. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord. Je le vois, il est là-bas. Pilote juste en dessous. Merde. Oh putain, on était presque bon là. Oh fait chier. Il venait d'où lui? Oh putain, ça fait 4 fois là, non? Pilote ennemi, reculez! Déployez les traqueurs! Qu'est-ce que je les déteste, ces putains de traqueurs? J'ai plus de bijou sur le pilote! Attends, c'est quoi ça? C'est de la merde. Je suis fait sur le pilote. Pilote ennemi en vue. Merci, parce que là, bon,
Je veux bien que tu sois résistant, mais quand même, il y a des limites. Il nous a contourné, demi-tour. Il y a des limites, quoi. Fusil double. Ouh, c'est bien ça. C'est une sorte de sniper assez rapide. Module de verrouillage orbital détecté. Vérifiez votre ATH. Zulu 1-6, l'équipe du portique à la balise 4 est neutralisée. Le pilote pourrait tenter une transmission. Zulu 1-6 à Richter, nous ignorons les intentions du pilote. Il cherche peut-être à nous éloigner du Titan. Non, occupez-vous du pilote. J'ai prévu autre chose pour le Titan. Cool. On a des trackers avec nous. Oh, ça pète. Yeah! Apparemment, l'autre va récupérer le Titan, peut-être. Parfait, vous avez pris les commandes. Déplacez l'antenne tout à droite, à votre portée. Alpha 2-1, il est mort. Faites-moi un rapport, à vous. Richter, il nous faut des renforts. Le pilote ennemi résiste encore près de la balise 4, à vous. Oh, c'est minable de l'IMC. Renfort envoyé. Fait chier. Bien ce sniper. Très bien. Je crois que les tics qui ont explosé là. Bien marché. Et c'est bien ce qu'on avait des trackers aussi. Contact, il est tout prêt. Mais merde, ils sont où les mecs? Oh oh. Ouais, ils nous voient pas, hein. Ça c'est vraiment bien, ça c'est très peu de jeux qui marchent comme ça en fait, l'intelligence. Voilà, là ils me voient donc. Ah ah. Oh la vache. Ah non. Putain, j'ai cru qu'il allait me taper. Oh, on a entendu le mec là, tac 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 tac, les bruits de pas, oh la vache. Allez, on y va. Putain. Le mec il était vénère lui, il s'est dit oh putain, moi j'y vais. Le module est dans le projecteur de cette antenne.
connecté. Mise à jour protocole 2. Module de verrouillage acquis. J'attends votre retour, Cooper. Attention, passage en mode maintenance. Bon, ben voilà quoi. On va voir un peu le... C'est vraiment bien ce système aussi. Ça nous montre pas tout le temps en fait où aller, parce que bon, moi, les jeux qui me tiennent la main, moi ça me casse les couilles direct. Ça affiche pas trop à l'écran, donc ça j'aime bien. Mais quand on bouge plus, on a un truc qui arrive. C'est vraiment très très bien pensé. Je veux pas dire, mais... je fais que jeter des fleurs au jeu, mais c'est, elles sont méritées. Bravo, répondez. Vous foutez quoi ? Escouade anti-titan détectée. Demande de renfort. J'arrive. Merde, merde, merde. Oh putain. Oh la vache. Sur la tyrolienne, vite. Ah non, là on est revenu au début en fait. Attaque d'infanterie oh, ennemie. Putain. Trouvez-moi la cible. C'est bon ? Ouais. De vous revoir, Cooper. Je recommande de sécuriser la zone avant de passer aux réparations. Hacker abattu. Commande transférée au pilote. Joli tir. Putain. Dégâts excessifs. Alerte, alerte. Alerte, dégâts sur ma coque. Bon. Attaque d'infanterie ennemie. Il est encore en haut, je crois. Menace neutralisée. Zone sécurisée. Tout va bien, pilote ? Putain, je suis chaud bouillant. Votre température corporelle ne présente pas d'anomalie thermique. Souhaitez-vous que j'évalue cette sensation de chaleur ? T'es un marrant, BT. Si vous le dites. Mise à jour mission, protocole 2. Ouais, parce que... Remplacement du module. Le connecteur du module se trouve en haut de cette antenne. Une projection et un peu d'escalade s'imposent. Oh putain, t'es sérieux ? Oh la vache, je suis pas une balle de baseball. Oh la vache. Non, ça va. Alors, par là-bas. Encore un casque. Ah, attends.
Ah merde, on peut plus redescendre en fait. Oh putain, j'ai encore loupé le casque. Fais chier, c'est pas grave. Allez. Oh putain. Lisk, ici Sloan. Je t'écoute. Kane et Ash sont morts. Quelqu'un tue tes hommes et on a volé une de nos radios. Je le savais bien que t'aurais pas dû recruter cet ocar. Hé, pilote! Ici Cuban Blisk. Alors comme ça, tu nous écoutes? Tu veux être un héros? Ok, continue de me narguer, vas-y. Mais à ta place, j'arrêterai de jouer les héros. Je vivrai plus longtemps. Oh, il est vénère, hein, la racaille, là, elle est vénère. Je sais pas où je vais. Je sais pas, je pense qu'on est au bon endroit. Ça fait que monter, donc... Oh, il y a des trucs. Hypothèse. Yeah. L'antenne se réorientera automatiquement une fois le nouveau module installé. Oh merde! Oh putain! Je vous tiens. Oh! C'est mignon, il l'a fait aussi. L'antenne est de nouveau en ligne et nous allons envoyer ce message à la flotte. Excellent travail, soldat. Richter, ici Blisk. Ouais. En chemin, Richter, terminé. Yeah, putain, je suis monté. Je sais pas comment je me suis débrouillé, mais je suis monté. Commande initialisée. Allez, on se casse. Par contre, on va se remettre sur Tone. C'était sympa. Ronin, mais je préfère quand même Graftone. C'est surtout parce que voilà, en élite, je crois que y a pas mieux que Tone, quoi. Par contre, doit aller là. Ici Richter, intercepter et liquider ce pilote, puis exécuter le reste des troupes miliciennes. Faucheur en approche. Eh merde. Miliciens, sécurisez la salle de contrôle. Menace détectée. Reçu, confinement en cours. Nous vous aiderons d'ici. Vraiment bien, Tone, parce que le truc des requêtes, en fait... Attention, anomalie détectée, possibilité de titan ennemi. Le truc de... Ah, putain. J'ai envie de promouvoir quelqu'un. J'ai aussi très envie de recruter quelqu'un. À vous de choisir ce que je dois faire. Allez, tuez-le. Les roquettes n'ont pas de cooldown en fait, il faut juste verrouiller la cible et tirer les roquettes. C'est pour ça que Tone est très très puissant en PVP aussi. Alors tu veux un vrai combat? On va voir de plus près ce que t'as dans le bout. À moins que tu t'en fais comme le lâche que tu es, hein, l'aborton. Comment je vais te mettre ta mort, toi? Thank you.
Oh la vache, on l'a défoncé, quoi. Ça va, elles reviennent pas, les requêtes. Ah ah. Ah, c'est trop facile avec avec Tone. C'est grave trop simple. Pilote, je vous suggère de débarquer. Ça va ? Tous les systèmes sont fonctionnels. Tony, renvoyez la sauce. Bien chef, séquence de transmission activée. Ça marche. Puissance de transmission 25% en augmentation. 60% en progrès. On y est presque, 80%. Puissance du signal maximum. La transmission peut commencer. Diffusion du flux de données. Attente de réponse. Espérons qu'il y ait encore quelqu'un là-haut. C'est bon. Commandant Clara Briggs, détachement des maraudeurs ERS Félix. Authentifiez-vous. Commandant Briggs, ici BT-7274. Protocole 2. Poursuite de mission. Transmission des données à la flotte de l'unité ERS. Reçu et confirmé. Contente que vous soyez encore là. Nous recevons vos données. BT-7274. Votre mémoire indique que votre pilote d'origine est mort au combat. Affirmatif. Le capitaine Ty Lastimosa est mort au combat. Je suis désormais lié à un pilote suppléant, le fusilier Jack Cooper. Comment ça ? Lastimosa vous a lié à un fusilier ? Affirmatif. Il n'avait pas d'autre choix. Bien compris. Vous serez transféré à un pilote mieux qualifié. Objection. Cooper est mon pilote. Notre taux d'efficacité au combat excède désormais les 90%. Je demande la permission de conserver ce lien. Vous avez de la chance que nous manquions de personnel, BT. Permission accordée. De la part d'une machine, ce sont des louanges, Cooper. Votre scan de l'Arche a permis d'en remonter la signature énergétique jusqu'à une base de l'IMC, ici sur Typhon. Le temps nous est compté. Allons-y. Le mec, Cooper, le mec qu'on incarne, c'est vrai que c'est un troufion, quoi. C'est un fusillé, quoi. C'est de la chair à canon, en fait, normalement. Donc, parce qu'au début, je me dis, pourquoi le mec, il se rebelle pas? Pourquoi il dit pas, non, mais je suis là et tout, je peux... Mais au final, non, c'est pas si mal comme ça. C'est le robot qui parle, parce que le robot, bon, c'est un spécimen rare, apparemment. Très intelligence artificielle, machin, tout ça. Et au final, non, ça, c'est bien que notre personnage, en fait, ne réponde pas, genre... voilà, quoi. C'est mieux. Ouais, il se laisse faire, c'est vrai. Mais en tout cas, le BT est plutôt sympa avec nous. Nous avons rejoint les rescapés de la 9e milicienne, de 9e flotte milicienne. La mission dirigée par le commandant Sarah Briggs consiste à nous emparer de l'Arche, la source d'énergie du Distorder. Les données d'analyse que j'en ai extraites après l'explosion ont été utiles. Nous avons retrouvé la localisation actuelle de l'Arche. Elle se trouve ici sur Typhon, en transit sur une base aérienne de l'IMC. Nous allons lancer l'offensive avec tous nos titans en état de marche. Cool. Ouh, ça a l'air sympa, ça a l'air excitant là. Ouh, belle attaque. Écoutez bien, l'IMC a développé une arme appelée Distorder. C'est une arme capable d'anéantir des mondes entiers. Mais, privé de l'Arche, sa source d'énergie, il est inutilisable. Votre mission est de prendre l'Arche avant son transfert à la base aérienne. Attention maraudeur, arme parée. Attention largage de titan. No. À couvert, pilote.
Oh merde. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé. On reprend Todd. Allez. Il y a d'autres qui sont encore sur Thérapique. On va leur rendre la monnaie de leur pièce. En avant. Oh. S'est fait tuer par Northstar. Peut-être qu'il nous faudrait plus puissant de loin. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ronan, non. Brut. Non. Scorch, non. Non, on va rester avec Tone, ça se passait bien. On va juste moins avancer en fait. Pas bon, on est mort. Il y avait le deuxième là. Putain, c'est chaud. Ok, on va grave reculer parce qu'on est trop avancé là. En avant. Putain, on est bloqué. Encaisse ça pour voir. Ah,
Putain, mais y'en a combien? Alerte, dégâts sur ma coque. Voyons de sang, c'est pareil. Oh merde. Ok, je crois qu'on les a je crois qu'on les a tous eu. La vache. Putain, il y a du Légion, merde. Hein, la vache, ça c'est du combat, hein. Putain. LQ4, tank 2, manœuvre d'interdiction. VT, pilote Cooper, avec moi, on y va. Ah, j'ai été sûr. Je me suis dit, tu vas voir. C'est une mission, genre il faut rester tout le temps dans le Titan, mais je suis sûr qu'il y a des casques cachés, il faut sortir du Titan. Mode pilote activé. Non, oh, putain. C'est pas comme ça que tu vas me battre. Bien joué, Cooper. Tu disais. Oh, on les défonce avec Tone quand même. Hein. Ça serait bien qu'ils puissent, genre, attraper les... Elle a quoi, elle? Ah, elle aussi, c'est le même que le nôtre, je crois. C'est le même modèle. Il faut qu'on atteigne ce vaisseau avant qu'il décolle. Neutralisez ces titans. Grouillez-vous, pilote. C'est l'heure, ton enterrement. Dégâts excessifs. Alerte, alerte. Voyou de salve, pareil. Regretter d'être là, pilote. Titan ennemi abattu. Voilà. Y a pas des casques. Je pense qu'une fois que j'aurai fini avec Légion, moi en multi, je vais prendre Tone. Je l'ai dit plusieurs fois, mais Tone, c'est celui-là un que je préfère. La façon de jouer, elle est vachement bien. Ascenseur droit devant. Allez, pilote, suivez-moi. C'est bon, tenez-vous prêts. On y va. C'est un des plus puissants, je pense. On a fait le plus facile. Enfin, ils sont tous très bien, ils sont tous très bien. Faut pas dire qu'il y en a un plus qui domine tout ça. Bon boulot, Cooper. Si vous voulez mon avis, vous méritez largement votre certification. Ils sont tous extrêmement bien.
Allez, on termine ça et on remballe. North Star. Le voilà. Il reste assez de temps pour intercepter l'arche.